وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah Ta'ala a utilisé le mot en arabe, il dit hijr. Et le hajr, en arabe, c'est quand tu restreins quelque chose. C'est pour ça, une personne, par exemple, à qui on restreint ses biens, dans le sens c'est les sous-tutelles, on utilise la même racine. C'est-à-dire que le gouverneur, il le met sous tutelle. Et pourquoi on a Allah Ta'ala ici a appelé les doués d'intelligence lidhi hijr? Ceux qui sont doués de hijr. Hijr, c'est-à-dire qui restreint. Parce que la raison, elle restreint. Elle restreint, elle retient la personne de faire des choses contradictoires à la morale. La raison, elle retient la personne à dire ou à faire des actes qui sont contradictoires à la morale et au bien. C'est pour ça qu'elle a été appelée celle qui restreint, c'est-à-dire qui est là pour restreindre la personne à faire n'importe quoi. La personne qui n'a pas de raison, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a rien qui la restreint, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a appelé ici celle qui restreint, celle qui te retient à faire ce qu'il ne faut pas.